Bonjour à tous, ici Morgan von Brelan. Et on se retrouve sur Death Bulge, Battle of the Bands. Et avant de reprendre les demi-finales et d'aller défoncer Mutila, petit truc. Voilà, on a pas, j'ai pas l'impression que les boss drop des beats spéciaux. Donc plutôt que Major Dropage, on va mettre le Welf. Parce qu'il ne drop pas de rythme. Enfin, il me semble pas. Mais il drop du pognon. Et de toute façon, les boss drop toujours leur... leur beat légendaire. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui! S'il n'y avait pas une liste quelque part des portails. Ah, je peux? Oui, j'ai le droit? Eh ben, salut Death Bulge, ça m'étonne de vous voir déjà sorti. Est-ce que vous faites une pause ou quoi? Le portail est déjà calibré pour vous envoyer là où il faut, donc retournez-y quand vous êtes prêts. What the fuck, je peux juste sortir. Ok. Ah, est-ce que je peux regarder? Bah, donc c'est là qu'il y a la liste de tous les... Oui. Savoir exactement lesquels il manque, etc. Sachant qu'il y a un succès si on les a tous et qu'on les améliore tous. Bref. Bref. On y retourne. Let's go. Alors, ah oui, voix de présentateur. Hey. Attends. On a pu voir des affrontements magnifiques dans la première manche. Dans le premier round. Selon mon humble opinion divine, Death Bulge et les ultimes champions étaient de loin le combat le plus excitant. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que j'ai hâte de voir ce que Death Bulge va vous apporter dans cette demi-finale. Contre Mutila. Un groupe qui est littéralement devenu un avec leurs instruments. Eh bien ça c'est de... Vite. Education, mais si, je sais, ça veut dire que t'es à fond dans le truc et tout. Einsatz. Mais non, pas en allemand. Du dévouement, c'est ça. Eh bien, ça, c'est du dévouement! Plutôt, oui. Thaïs? Oui? Pourquoi Ronan ne vous a pas encore sauvé? Ah, tu la connais. Elle est probablement encore en train de bouder à cause de la dispute qu'on a eue. Elle nous fait juste transpirer un petit peu pour nous faire les pieds. Mais c'est une fille sympa, elle veut nous aider, t'inquiète pas. Ah ouais, t'as raison, je m'inquiète pour rien. Ah, eh bien, bonjour Death Bulge. Eh bien, on dirait que vous n'irez pas plus loin. Vous avez peut-être déjà battu auparavant, mais c'est différent cette fois. Comme vous pouvez le voir, Rona a subi quelques énormes améliorations cybernétiques pour devenir particulièrement adepte en combat.
Quand c'est la séquence de mal parler. Salut. Les nazes du salon des nazes. Hein? Mais c'est pas Ronald du tout. Naïf, espèce d'abruti, joue le jeu. Ah oui, c'est vrai, désolé. Ah, oh, c'est Ronald. Bzz. Ah, le... Les squats cringe. Bzz. Eh bien, je veux dire, je suis content qu'on ait notre opportunité de tabasser ces espèces de... De scientifiques fous du dimanche. Une deuxième fois. Justice pour Babu, chapitre 2. Baston. Mode combat engagé. Bip boop. Doute doute. Miu. Fait toujours marrer à quel point Faye va vite. Ah, il est trop rapide, fait chier. J'ai pas envie de dépenser toute ma mana alors qu'ils ont le truc de défense là. Twinkle Thumb, Twinkle Thumb, voilà. On va faire comme ça. Prêt. Wow. Je suis pas impressionné du tout. Bouffez ça! Âge de l'annihilation! Aïe, aïe, aïe. On va des boucs. Va mettre un petit coup de cid à Yann. Vas-y, picole. Pathétique. Violence. Meurs. Ah, eh bah, tant pis pour ça. Mais bon, ça a pas mal tenu le coup, hein. Allez, Edbin, vous direz que c'est à nous. Elle a intérêt à se manier. Arrête de t'inquiéter. Inquiète-toi, violence. Aïe. Violence. Nonsense. Qu'est-ce qu'elle fait? Non! Pas de soin! Âge de l'annihilation! Meurtre! Si vous trouvez que je gueule trop, vous me le dites, hein. Blé. Performance... Performance de Faye, allons-y. Woo!
Brûlé. Mais eux. J'ai dit brûlé. Ah mais Brief est mort, j'avais pas vu, merde. Oups. J'avais pas vu. merde. Vite, Pikachu, reviens. Eh ben ça valait le coup. Ça valait le coup. Bon bah un meurtre hein. Quoi? Toujours rien? Pourquoi ça prend autant de temps? Eh bien où est le problème d'être Bulge? Achevez-les et assurez votre place dans la finale! Rona, allez, c'est pas marrant. Qu'est-ce que t'attends? Allez, ramène-toi et vas-y, sauve-nous au dernier moment. Elle est où? La barre va être bloquée à 99%. C'est toujours pas prêt. Vous me décevez, Death Bulge. Si vous ne voulez pas les achever, je le ferai. Ils ont déjà perdu de toute façon. Ah yeah. Mes félicitations, mes félicitations. Je ne sais toujours pas parler donc. Mes félicitations à nouveau, Death Bulge. Il n'y a plus qu'un combat à gagner entre vous et. Il n'y a plus qu'un combat qui se tient entre vous et la gloire éternelle. Mais quel groupe sera-t-il donc? Est-ce que ce sera les Platines Délicieuses ou Fat Punch 5? Les Platines Délicieuses ont démontré beaucoup de talent. Mais Fat Punch 5 sont en surnombre à 5 contre 2 et ont montré une agression incroyable. Est-ce que ça suffira? Ouais, t'as peut-être perdu 2 amis, mais au moins, t'as 2 nouveaux potes juste ici, hein. On va pouvoir remplir ce vide dans ton existence sans problème. Sèche. Trop tôt. Trop tôt, bah, je sais pas, 15 secondes après, ça te semble trop tôt? Trop de cul. Il reste plus que la finale. J'arrive pas à croire qu'il soit toujours rien passé. Eh, peut-être qu'on a eu trop d'espoir. Je veux dire, extraire un dieu démoniaque ancien de son enveloppe corporelle, c'est plutôt dingue. Je pense qu'on va juste devoir affronter le fait qu'on va devoir aller jusqu'au bout du tournoi. Ouais, le plan de Rona a pas l'air d'être très fructueux. Donc allons juste gagner ce truc. Et après quoi? Je sais Maestro et Daimo continuer leur horrible spectacle année après année? Sûrement pas. Je refuse de faire ça, je peux pas. Surtout si c'est les Platines Délicieuses qu'on affronte. Moi je dis, on leur rentre dessus et on tabasse Maestro. Faye, sois pas débile. On s'est peut-être établi comme étant une super force musicale après avoir battu Apocalypse, mais Maestro est un dieu immortel, au cas où ça t'aurait échappé. Si on fout la merde, Maestro va juste nous faire buter. Et je pense que c'est mieux qu'il y ait un groupe qui survive plutôt qu'aucun. Yann marque un point. Mais si c'est Platine Délicieuse,
Je vote qu'on les laisse gagner. Quoi? Ah, Brief, fais pas ton romantique. Je vais pas mourir juste pour que tu puisses pécho. Ah bah pour coup, si j'avais gardé la précédente description du rockard un peu pourrave, ah, je me demande quel aurait été le dialogue. Si Brief était sorti avec la femme poisson plutôt que Platine. Ok, Death Bulge, vous êtes prêts pour le grand final? Bien sûr que non, trou du cul! On est contre qui? Les Platines Délicieuses ou Fat Punch 5? Eh bien, va falloir que vous sortiez sur scène pour le savoir. Que quoi? Hé! Hey ah. Ok. Petit dodo. Parce qu'on n'a pas le temps d'en faire un gros. Et c'est y part. Est-ce qu'on fait une sauvegarde manuelle du coup? Vu qu'on peut sortir de toute façon, j'irai que oui. Une sauvegarde manuelle juste avant le gros combat contre les Platines Délicieuses. Parce qu'évidemment ça va être elle, hein, Fat Punch 5. Oh la vache! Platine Délicieuse, vous êtes arrivé jusque là. Elles sont fait défoncer, what the fuck? On s'était promis qu'on vous verrait dans la finale, hein, pas vrai? Dommage qu'on puisse pas vraiment partir au spectacle. On est vraiment à court de carburant, là. Et qu'est-ce qui est arrivé au plan? Je sais pas. Ce qu'on a dû faire pour arriver jusqu'ici? J'en peux plus. Waouh! Les Platines Délicieuses se sont fait déglinguer! Après cet affrontement contre Fat Punch 5, ça m'étonne pas. Mais bon, j'espère que ce grand final ne sera pas trop unilatéral. Je refuse de faire ça. Vous entendez? Je refuse! Vous pouvez vous foutre ce tournoi dans le trou, dans votre plaque qui correspond à ton cul! Fais non! Ah! Zéro. Putain, Fate, tu nous as tous tués! Daimo, je t'avais pas dit que ça arriverait! Ça arrivait tout le temps à l'époque! Votre bravoure est admirable. Cependant, je crains que cet acte d'insurgence ne puisse être impuni. Ne vous inquiétez pas, les autres membres de Death Bulge. Afin de garder toute l'excitation du final, vous serez épargnés. Par contre, cette guitariste à tête brûlée là, meurt. Faye! Et là, l'appareil a enfin fonctionné au dernier moment. Ouh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Bingo. Dieu est mort! Elle a réussi! Yeah! Ah! Trop la classe! Je retiens tout ce que j'ai dit à propos que le plan c'était trop taille et tout ça. Eh ben, peut-être que j'étais trop dur avec cette gonzesse.
Yes! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour Triss et Headbang et tous les autres. Toi, de Mutila. Alors, tu m'as fait changer de corps. Ouais. Et toi, t'es tombé dans le panneau. Non, imbécile. Tu as peut-être échappé à la mort maintenant, mais tu es toujours maudite. Tu vas tout de même mourir à la fin du tournoi. Non, pas si je peux m'occuper de ça. T'es fini, Maestro. Fini. Les démons de l'équipe du tournoi. Vous avez laissé ça arriver? Comment osez-vous tromper un dieu? Pas tromper, trahir. Eh, désolé, mon pote. Comment osez-vous trahir un dieu? Oups. Ces câbles que vous avez installés, c'était pas du tout pour la qualité audio, n'est-ce pas? Votre petite pirouette a peut-être réussi à sceller mes pouvoirs. Mais vous pensez vraiment que cette petite chambre de briques et de broc peut me contenir? Oups. Non. Elle commence déjà à craquer. Mais je dois dire, ce que vous avez accompli ici est impressionnant. Vous avez accompli quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible moi-même. Vous m'avez libéré de mon enveloppe primitive. Une fois que cette chambre se sera brisée, je serai totalement libre. Sans la limite d'une enveloppe corporelle, je serai omniprésent. Un véritable dieu. Pas si je te transfère dans une autre enveloppe avant. Quoi? Qu'est-ce que t'avais en tête? Je ne vois pas d'autre enveloppe disponible à proximité. Elle va sacrifier. Eh ben, il va falloir que ce soit moi. Bingo. Toi? Mais tu fais partie du tournoi. Je te l'interdis. Non. Ah non? Et pourquoi donc? Ce serait un problème? Ah oui, parce qu'avec la malédiction, elle va mourir. Et du coup, lui aussi. Non, pas de problème. Écoute, d'ailleurs, en fait, ça me rendrait encore plus puissant. Alors, du coup, c'est une mauvaise idée de le faire. Enfin, pour toi, c'est... Faut pas. Eh bah, la vache, tu mens super mal. C'est à cause de la malédiction? Ça va te rendre mortel et sensible aux dégâts musicaux, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas vrai. Ah, et ben, j'ai intérêt à me manier de le faire avant que ça me casse. Attends, réfléchis un peu. Tu veux vraiment te sacrifier comme ça? Eh ben, j'allais mourir bientôt, de toute façon. Et puis, peut-être que... Je peux te contrôler. Mais peut-être que je peux donner à Deathbulge cette chance de combattre dont ils ont besoin pour t'abattre. J'ai plus de voix à l'aide. J'espère que vous êtes prêts pour ça, Deathbulge. On devrait probablement se casser. Ouais. Mais avant, finir les bières. Eh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arène est en train de s'effondrer? Ah ben, j'imagine que non. Rana, t'as réussi! T'es incroyable! Mais t'aurais pu te manier un peu, si tu veux, mon avis. Rana? Yeah! Wow, qu'est-ce que t'as fait?
Je n'avais pas le choix. La chambre était... Fallait... Ce qui compte... Maestro... est mortel. Vous pouvez y arriver. Ouais, mais j'ai plus de vie. J'ai mal. Et bah c'est moche. Et bah c'est vert. Oh putain, oh c'est moche. Ok, on est full life. Ok, les différents morceaux. Mimiou. On passe sur Yann qui a plus de défense. 207, ok. Protection des effets de barre. Et on les déglingue. On le déglingue. On le... on tape. Meurtre. Meurtre. Vite. Tuez-le avec du feu. Tuez-le avec du feu. Aïe. Ok. Canon de cacophonie. Aïe. Ça va, on survit. On prend. On... Prends ça! Meurs! Maelstrom, Maelstroma se combat elle-même. Hein? Ah non, 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 non! Hey, hey! Interdis ça! Fais un button! Je te tabasse! Merde! Je me tabasse! Bref. Bénévolence, Maelstroma, Arsenal. J'avoue que j'ai vraiment envie de tabasser de me débarrasser de l'Arsenal et vite. Aïe 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 aïe, j'ai oublié de repasser sur Yann. Vise. Oh oh. Bon, ça c'est pas bon ça. Il faut un bounty full barry là, et vite. Vrai. Tinkerfun. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Je vais réessayer le cramer, peut-être. Ok, ça passe. Préparez-vous à l'oubli. Oh mama. Oh mama. Oh, l'animation sur le dos, c'est incroyable. Tous les crânes. Death Bulge, écoutez bien. Maestro prépare une attaque massive. Ne l'écoutez pas. Je le sens. Il tire toute sa énergie dans une zone particulière. Vite, lancez toutes vos attaques dessus. Si vous faites assez de dégâts, ça devrait le déranger. La ferme. Surveillance du coup. Ça fait rien à la vache. Je peux refaire un bon roman des boucles, ok, vas-y. Ça marche. Ah ah. 12 000 on lui a mis. Damn. Je reprotège toutes mes barres.
oubli imminent. Ah la vache. J'ai mal à la gorge. Je meurs. Hype pour tout le monde. Brin. Ah, de l'annihilation, et avec ça, on pourra faire une performance. Bise. Je refuse. Performance. Violence. Ah, tu ne peux rien faire. Violence. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal, mais on cesse pas battre. C'est moi qui vais t'abattre. Ouh. Hop là. 100... Ah non, pardon, c'est pas 12 000, c'est 120 000. Coulibet. Ça va passer. Mais est-ce qu'on a ce combat le même? Biffy Basquake ou Arpitch? Biffy Basquake. Âge de l'annihilation. Plus de violence. Il n'y a jamais assez de violence. Meurs. Oui. La super douleur. La super violence. On va les book. Même pas mal. Allez, ça va passer. Meurs. Il montre aucun signe de s'affaiblir. Hein. Terrible. Regardez tout ce que je lui mets. Oui, oui, c'est Dix. Pour Yann. Même pas mal. Putain, il a faibli, on lui met max de dégâts, mais... Il tient. Saloperie. Performance. Ouais, allez. Violence. Je crois qu'Yann n'a jamais eu l'occasion de faire une performance encore, donc c'est parti. Ouh. Oh, les muscles. Oh oui. Oh, les bois du thon. Ululation de l'immortel.
Allez, fais revenir ces trucs! Oh l'enculé! Bah, je vais tabasser l'arsenal surtout, hein. Elle est sympa sa performance, Ayan, la musique. C'est bien. C'est très sympa. Ah, ululement, ça se dit en français. Ululement. Tiens, dans la cacophonie. Bré, 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 bré. Même pas mal. Fureur de Maelstra. Mais c'était protégé. C'est dégueulasse. Mon cuttle buddy. Quel enfoiré! Enfoiré! Aïe! Boum! Et merde, j'avais failli! Bon, si, ça tape tout le monde. Préparez-vous à l'oubli. Ouais, bah écoute, c'était déjà ça que je tabassais, alors... Remanez-vous. Oubli imminent. J'ai pas fait gaffe à combien de merch il me reste. Full shot, oui, mais c'est pas grave. Putain. Hein? Alors c'est gentil, mais pourquoi? Bon, je prends, hein. Ok. Ah ah, ça va être orange, enfin. Merch, il me reste 17. Ok, on va continuer à tabasser, hein. Maelstra se combat elle-même, parfait. Il vise. Et moi, je fais un giga. Tremblement de terre. Ah, petite hache de l'annihilation, ça fait plaisir. En normal, malheureusement. C'est pas grave, je remets ça. Voilà, pas de vitesse pour vous.
même pas mal. Performance, ouais, vas-y. Performance de brief, le soin. Non, performance de fail, allez. La hype. La hype. Quand on est mis... Ah, on a vaincu. On a vaincu avec la performance, c'est beau. Youp la boum! 8262 bops. Ah, laissez-moi deviner, à la base c'était 6666 plus la moitié. Non, ça fera plus que ça. C'est combien la valeur de base? Ma calculatrice. 8262 divisé par 1,5. 5508. Hein? Bon, c'est pas important. On a gagné! On a fini le jeu! Wouh! Oh! On a gagné? C'est vraiment fini! Ouais, mon gars! Mon cul, c'est fini! Vous vous souvenez comment on avait fait la fête là, après avoir battu Apocalypse, juste pour que Maelstrom se réveille juste derrière? Puis après, on a fait la fête quand Rona a extrait Maelstrom, et puis derrière, Maelstrom a possédé Rona et on a dû les tabasser quand même? Et ben, je vais pas me faire avoir une troisième fois! Ok. Et ben, moi, je vais faire la fête quand même! Ouais, moi aussi! Mais qu'est-ce que... Lâchez-moi! Salut tout le monde. Désolé qu'on était un peu trop déglingué pour vous aider avec Maelstro. Mais j'espère que ça compense. Si quoi que ce soit m'arrive, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de la malédiction. On a encore maudit? Quoi? Tu pensais que battre le grand méchant dieu démon ramènerait tout à la normale? Le contrat est toujours en effet avec ou sans Maelstrom. Et donc, tant que les finalistes restent en vie, le tournoi ne peut pas se terminer et les deux groupes vont conserver leur malédiction indéfiniment. Moi seul peux mettre fin au contrat, donc c'est dans votre intérêt de me garder en vie. Ouais, mais on peut te tabasser jusqu'à ce que t'acceptes de lever la malédiction. Pour être honnête, je me suis habitué à cette malédiction. Ouais, ce matin avec de la musique, c'est plutôt cool en vrai. Je suis du même avis. Et pour vous? Del, peut-être qu'on pourrait peut-être voyager et utiliser la malédiction pour soigner des gens avec notre musique ou un truc du genre. Ça pourrait être un bon moyen de s'en sortir avec tout ce qui se passe. Je pense que c'est une super idée. Alors, on est tous d'accord. On n'a aucune raison de garder Daimo. Hein? Attendez! Faye, tu veux nous faire l'honneur? Ouh, le coup de pied! Coup des pieds! Ouh! Oh là là, mais quel jeu de jambes incroyable!
Eh bah, on va peut-être y aller, nous. Décapitation! Oh la vache! Et maintenant quoi? Bah, j'imagine que maintenant on va pouvoir faire des trucs de groupe de musique normaux, genre faire une tournée, enregistrer des albums. Je sais que on s'est disputé plus d'une fois, mais moi je suis partante si vous en êtes. Ouais? Ouais? Ouais! Ouais! Aïe aïe, Delbelge, comment ça va? Oh, cette démarche! Oh, cette coupe! Oh, ce costard! Oh, le costard dentifrice! Eh ben, mon gars! Pourquoi t'es habillé? Encore ce gars? Mais comment t'es arrivé là? La sécurité est plutôt relaxée maintenant que vous avez buté tout ce qu'il y a protégé. Bon, quoi qu'il en soit, je suis ici parce que votre petite pirouette télévisée ça fait jaser. Vous êtes sacrément tendance, alors je vais vous mettre sur les roues et pronto. Ah ouais? T'es quoi? T'es notre agent maintenant? Eh, le monde est cruel, hein! Les gens vont finir sur vous de tous les côtés avec des opportunités. Essayez de vous sucer jusqu'à la moelle à partir de votre nouvelle popularité! Tu veux dire, comme t'es en train de faire là maintenant? Non, c'est différent. Regardez les choses en face. Il vous faut quelqu'un qui a de l'expertise dans le business pour vous guider à travers tout ce bazar pour que on prenne pas avantage de vous. Et il se trouve que il y a quelqu'un comme ça, juste là, qui offre ses services. C'est quelque chose en tout cas à réfléchir, hein, pas vrai? Oui, c'est pas sérieux, ce gars, il est complètement fumeux. Comment il fait pour dormir le soir? Ouais, mais il a la classe dans cette tenue. Non, il ressemble à un tube de dentifrice. Et puis, il a bien arrangé ses cheveux aussi. Ça, c'est une queue de cheval à qui on peut placer sa confiance. Eh, bon point. Eh ben, tout le monde est content. Signez-la et puis je vais bien m'occuper de vous. Avec plaisir. Attendez. Mais on fait quoi, là? On n'a rien appris ou quoi? D'abord, on lit le contrat. Oh, ouais! Excellente idée, Faye. Ah, t'as vraiment évolué en tant que personne et qu'adulte à travers toutes ces aventures. Tu n'es plus la glandue signeuse de contrat que tu étais autrefois. Merci. Allez hop, lis toutes les conditions à voix haute, bref. Qu'on entende tout. Alors, Oh putain! Minimum 300 tournées par an, l'agent reçoit 92% de tous les bénéfices. Tous les clips doivent inclure des gens qui boivent des produits CDX et aucun produit Barry. Ça c'est souligné. Ouais, tout ça c'est normal. Mais ça parle de combattre à la mort. Non! Eh ben, pas de problème alors, on peut signer! Ouais! Eh ben voilà, vous avez l'esprit! Salut tout le monde et bienvenue à la tournée Mutila! Aujourd'hui, nous. Non, pas la tournée, la visite Mutila. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment ces héros de Ho-Ho vivaient du jour au jour.
héros. Vivre dans ce trou, c'est pas très héroïque. On se croirait dans une porcherie. Pour commencer, ceci est la cuisine. C'est là qu'ils se rassemblaient sûrement pour faire du brainstorming et préparer leur plan pour tous nous sauver du règne diabolique de Maestro. C'était vraiment à cette table. Waouh! Allez, on reprend la visite, hein. Attention à ne pas trébucher sur tous les câbles. Ici, nous avons la chambre et la salle télé. C'était là qu'il devait bien se reposer après une longue journée d'actes héroïques. On dirait que Ed Bang, le batteur, était plutôt fan de Rudy, le catcheur professionnel, qui a également malheureusement péri durant ce terrible tournoi. Est-ce qu'on sait pourquoi Ed Bang a acheté un duvet pareil? Je demande pour un ami. Mon ami Beef Cliff. Aucune idée, désolé. Et ça ne devient que plus intéressant à partir de là. Si vous voulez bien me suivre, en bas de ces escaliers, nous allons accéder au cœur de leur atelier. Ah ouais! Alors, nous sommes arrivés à la zone de travail. J'espère qu'on n'a perdu personne à ce gros trou dans la dernière salle. Enfin, une salle qui n'est pas complètement bordel, ça change. Cette salle était appelée la Boom Room. C'était ici que Mutila devait se lâcher et célébrer tout leur triomphe technique. Ah, le Sim qui joue. Coucou Sim. Waouh, regardez à ces énormes haut-parleurs. Ils devaient avoir les meilleurs teufs. Tout à fait. On dirait que même les accros au travail savent se débrancher de temps en temps. C'est quoi ce truc là sur l'ordi qui parle de buter un groupe kidnappé? Hein? Et voilà qui met fin à la visite Mutila. Tout le monde sort, passez à la boutique souvenir à l'entrée. Salut maman, salut frangin. Je peux juste vite fait avant de partir en tournée avec le groupe. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai plein de cartes postales. Bref. Tu comptais m'en parler quand de ce tournoi? Il s'est fait choper. Alors, t'en as entendu parler? Mais tout le monde en parle! Vous étiez à la télé! Tu te rends compte que je suis passé à ça d'avoir Rosé comme dernier membre... Comme dernier proche. Ça aurait été terrible. Désolé maman, j'aurais dû t'en parler. Un peu, oui. Est-ce que j'oserais demander s'il y a autre chose que tu me caches? Eh ben, maintenant que t'en parles, j'ai rencontré quelqu'un. Et tu les connais déjà un peu, je crois. Bonjour à la famille de Brief. Moi et Platine, on sort ensemble. Platine? Brief? Quoi? Eh, c'est des conneries. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas te mettre à mettre des talons hauts? Ah, et ben c'est pas une mauvaise idée, ça. Oh, c'est merveilleux. Ah, vous êtes adorables ensemble. Brief, j'allais préparer le dîner. Ça te dit rien, un bon petit dîner en famille avant que tu partes? Platine, tu es bienvenue, bien sûr.
J'ai tellement de choses à te demander. Ça a l'air formidable. Mais je ne peux pas rester trop tard. J'ai promis à Faye et Délicieuse que je les retrouverai au bar plus tard. Eh ben, je sais pas comment tu t'y es pris, frangin, mais bah, bien joué, hein, tu mérites. Elle est nickel. Oh, où est-ce que tu veux en venir? Après t'avoir vu à la télé et avoir vu tout ce que t'as à gérer et tout ce que t'as réussi, tout ce que t'as accompli et tout, bah, j'arrive plus à t'insulter. Voilà. Enfin, je suis fier de toi, frangin. Je suis content pour toi. Waouh, waouh, oula! Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Qui êtes-vous? Qui vous fait roser? Ah, mes fistons! Quand skip. Ah non, mais je voulais pas sauter, c'est un accident. Ah, mes garçons! Je vous adore tellement! Jésus. Merci, frangin. Mais je te préviens, hein. À la seconde où ton ego commence à un peu trop grossir, t'inquiète pas, je te retombe dessus, mais comme jamais. Hein, je vais pas laisser ton ego se balader dans un bus, là, ou je sais pas ce que disait maman, là. Ouais, t'as raison. Ok, les acolytes, écoutez bien. Je viens de sécuriser une affaire juteuse avec Deathbulk. Et du coup, on va se retrouver enterré sous des tonnes de demandes. Vous avez intérêt à être prêts. Alors, on applaudit tous l'aide supplémentaire qu'on a reçue. Wouhou! Bienvenue les nouvelles recrues! Oh, je suis trop content de vous avoir avec nous, confrère Yaker. Waouh, on a plus que doublé en nombre. La famille acolyte est florissante. Merci pour l'accueil tout le monde. J'ai hâte de m'y mettre. C'est trop cool qu'on puisse continuer à suivre Deathbulge comme avant. Mais en plus, on va se faire payer pour ça. Je m'inquiétais que ces jours étaient finis, mais vu que mes jambes sont toujours foutues en l'air, mais qui a besoin de jambes quand on est sur un kayak? Waouh, tes jambes sont niquées aussi! Trop la classe! Ouais, c'est cool et tout, mais... Ça serait bien si on avait des casques un peu plus petits. Ouais, ça serait bien, hein. Dommage. T'es sûr que t'as rien de plus petit? Si tu prouves ta valeur en tant que yacolite loyal, peut-être que plus tard, j'investirai dans... un casque sur mesure, rien que pour toi. C'est le cas pour vous tous. Montrez ce que vous valez en tant que yacolite. Et vous recevrez des avantages juteux. Oh, je me sens déjà vachement plus motivé que quand on bossait pour Daimo. Mais bon, je vais probablement toujours glander un peu. Ah, et ben j'ai... Un toast à ça. Oula, 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 elle boit du Barry. Elle boit du Barry, il va s'énerver. Ah! T'es un Barmy? Vite, vite, planque ce Barry avant qu'il le voie. Hein? Et tu connais pas... t'es pas au courant de la rivalité entre Sid et Barry? Tout a commencé quand? Hé, nouvelle recrue! C'est quoi ça dans ta main? Rien. Tu me prends pour un débile? Je sais reconnaître un produit Barry quand j'en vois un. Je sais pas de quoi tu parles. C'est qui, Barry? Tu...
Tu connais même pas Barry. Ah, et ben ça fait ma journée. Eh, t'es plutôt cool. T'es promu. Yes. Wow. Bravo, ma choupette. Quoi? Je connais pas Barry non plus. Eh, bien essayé. Tu as fait une réduction. Oh non. Ah, et bah, c'est passé à ça, chère déqueuse. Mais faut que tu fasses gaffe quand t'amènes du Barry au travail, hein. Mais bon, si t'as toujours besoin de récupérer un peu de Barry, on se rejoint tous à un club Barry secret. On s'enquille de boissons Barry jusqu'à plus soif. Et tu seras la bienvenue. Ah ouais, ouais, ça a l'air super. Ah ouais. Un toast à ça. Bah mais arrête de boire, arrête de lever ce truc. Ah désolé, l'habitude. Oh. Voilà. Je dirais que ça c'est un mémorial approprié. Je préfère tellement la voix d'Yann, c'est la plus facile à faire de toutes. Bon, je vais dire, c'était une maman plutôt naze, mais c'était quand même ma maman, alors j'imagine qu'il faut que je fasse mon deuil. Mais juste un peu, hein. Ok, ça c'est. Bon, et ben, avec un peu de chance, ramener un morceau de l'arbre va l'aider à repousser, peut-être. Je suis avec toi tout cœur, arbre, tu peux y arriver. Une petite minute. Ah oui, bon, c'est parce qu'encourager quelqu'un, c'est un route, c'est ses racines, c'est... Ah, c'est un jeu de mots. Attention, brief, hein. Un comédien, un compétiteur est apparu dans le groupe. Yann, c'est toi qui fais tout ce bruit? Hein? Oh mon dieu! Ah, je suis désolé, Gillian. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas nourri. J'étais un imbécile. Un terrible imbécile. Juste parce que c'était à cause de la baston des groupes et... Ah non, mais ça va. J'ai entendu ce qui s'est passé. T'as une bonne excuse. Et lui, c'est qui? Mais pendant que t'étais parti, lui, il a squatté dans ta maison. Quoi? Il peut faire des... Il peut pas faire ses squats ailleurs? Mais non, mais pas squatter comme ça, Baruti. Tu devrais le remercier, hein, parce que c'est lui qui m'a nourri pendant que t'étais pas là. Ah, c'est vrai, bah, c'est cool, mon pote. La prochaine fois, peut-être prends-moi avec toi quand tu pars sur une aventure. Eh ben, maintenant que t'en parles, Deathbud, je pars en tournée. Oh. On part ce soir, alors emballe tes affaires. Quoi? Wow, ok. Je vais rester ici, hein, et surveiller ton poster, mec. Il peut devenir assez foncé si tu fais pas gaffe. Hein. Ouais, vas-y, éclate-toi. Et donc, il a juste débarqué dans la salle d'attente et... Vous a proposé de devenir son agent et maintenant vous partez en tournée? Ça m'étonne que vous ayez signé un autre contrat aussitôt après cet enfer. Ça a dû être une sacrée affaire. Ouais, ça parlait pas du tout de combattre à mort.
Oh, ça a l'air pas mal. Eh ben, peut-être qu'on se reverra en tournée une fois qu'on aura fait réparer nos claviers. Et désolé d'interrompre, mais je voulais dire que c'est cool de vous revoir à la botte du casou, Fay. Tu nous as manqué. En l'honneur de ton récent triomphe, on a nommé, on a donné ton nom à une boisson. Eh bien, ça plaisante pas. Ça s'appelle le Face Melter. Puisque t'as l'air d'aimer le feu et d'être en feu et tout ça, on s'est dit que on en ferait quelque chose de particulièrement épicé. C'est garanti de foutre en l'air quiconque le boit. Tu veux l'essayer? Sur la maison, bien sûr. Offert par la maison. Eh ben, pourquoi pas? Ah, attends! Et si c'est vraiment terrible? Eh ben, c'est méchant. C'est comme avec le tournoi. On aurait pu éviter une aussi horrible expérience si on avait juste fait un peu de recherche. Non, je ne vais pas le laisser se produire à nouveau. C'est nous qui allons tester cette boisson en premier. Ce sera notre rédemption. Nudi, deux Fae Smelter, s'il te plaît. Et ben voilà. Plate, t'es sûr? Je crois que je t'ai jamais vu boire quoi que ce soit d'un tant soit peu épicé. Ha! Après tout ce qui s'est passé, ça peut pas être si terrible. Elle va mourir. Et voilà. Oh, c'est une sensation intéressante. Je t'avais prévenu. Oh, je t'en prie, Plate, ça peut pas être si terrible. Attends, j'essaye. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est épicé, mais rien de dingue. En vrai, c'est pas mal, on peut vraiment sentir le... De Jésus. Où est-ce qu'on a mis les potions anti-épices? Tu veux dire le lait? On est tombé à court aujourd'hui. Oups. Je vais chercher l'extincteur. Oh, j'aurais voulu voir ce que Fay en pense. Oh non, pas lui. Pas la démo! Non! Non, je déconne, trop bien. Et ben voilà, ben c'était trop bien. Et avec ça, j'ai enfin fini une série incroyable. Tepeto, Tramstone, Kingston. Texture de voix. Et plein de gens qui ont donné du pognon. Hé, hey, regardez, Morgan von Brilan, c'est moi, à droite. Les A accent circonflexe sont dégueulasses. Ah là là là, et ça c'est tous ceux qui ont participé au Kickstarter. Dont les participants premium qui ont eu des portraits spéciaux et des PNJ dans le jeu. Bon, j'en fais pas partie. Moi, j'ai donné le minimum pour avoir le jeu.
placeholder, c'est-à-dire remplaçant. C'est ceux qui auraient dû avoir un portrait personnalisé, mais qu'on n'a pas eu. Jali, ah! Oui, c'est vrai qu'il a son portrait, le porte sur Discord. Very nice. Guitare. Je dis, alors, ah, lui, j'en étais sûr que c'était un truc personnalisé. Jack écrit, lui aussi, il est sur le Discord, je le connais. James Immortal Quixel. Ah, c'est un PNJ de Backer, ça, hein. Oula, il fait peur le rosé. Ah, y'a un mec qui s'appelle juste Mec. Hey, Morgan Fabrilan, c'est moi encore, au milieu. Donc je peux écrire ce que je veux ici et ça va dans les crédits. Pas mal. Oh, The Sandwich Fall. Oh, ce design, j'adore. Oh, incroyable. Un autre mec qui s'est fait dessiner en prout. Et un gros tas de grec à la fin. Que je suis parfaitement incapable de lire. À la mémoire de Mark Jenkins, j'ignore qui c'est. Mais repose en paix, j'imagine, un truc du genre. Non, il y a encore envie, peut-être. Puis deux. Ah, il y a une scène post-crédit. Oui, c'est vrai qu'on lui avait sévèrement savaté la gueule. Fin en français dans le texte. Ah. Ah, et donc on peut pas continuer à jouer après. Je vais voir. Ok. Bon, eh bien. Voilà qui conclut Death Bulge, Battle of the Bands. Ce fut un plaisir. Moi, je me suis éclaté à jouer à ce jeu. J'espère que vous êtes éclaté à me regarder. Et à m'écouter dire des conneries, à faire des voix terribles et à enculer mes cordes vocales. Je suis le dieu des mon maestro. Et donc, je vous dis au revoir à tous et on se revoit pour de prochaines aventures.